disait justement, infirmière, jamais tu y arriveras. Donc je m'appelle Cassandra Commandou, j'ai 24 ans, je suis infirmière depuis 2 ans et demi. Oui, ce métier, j'ai toujours eu envie de le faire depuis mon plus jeune âge, donc ça a été une évidence. J'ai fait un bac pro, donc accompagnement en soins et services à la personne. J'ai ensuite fait une préparation au concours, donc je suis partie après 3 ans sur Amiens faire mes études en école d'infirmière. C'est pas évident, 3 ans, c'est long, on s'accroche. Ce que j'aime le plus, c'est me sentir utile et le relationnel avec les patients. Les meilleurs moments, je dirais, quand on voit le patient qui sort et qui soit en bonne santé. D'y aller. Quand on veut, on peut, quoi. Je me suis laissé un peu porter par l'eau, quoi. Je m'appelle François, j'ai 34 ans, je suis ébéniste. J'ai fait un baccalauréat ES, un IUT en technique de commercialisation, une école de management, et j'ai travaillé ensuite en tant que recruteur. Après ces 6 ans-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus d'indépendance et de liberté. Et c'est en regardant les formations qu'il y avait dans la région que j'en ai trouvé une sur l'ébénisterie et que ça m'a décidé de me lancer. J'avais jamais touché à une scie ou une perceuse, c'était un défi. J'ai eu le droit à 1 an de formation. J'ai fait un CAP ébénisterie qui était adapté en 1 an, un brevet des métiers d'art. C'est pas simple de reprendre ses études, mais c'est assez grisant aussi de reprendre à zéro, se challenger soi-même. Pour faire une reconversion, c'est d'au moins avoir une personne la plus proche qui nous suit à 100%. Bonjour, Denis Le Boucher, directeur de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Je suis très très content d'être votre animateur ce matin pour la séquence dédiée à la présentation du Salon régional des métiers. Et on va en profiter parce qu'il y a depuis 1 an, on n'a pas pu inaugurer l'agence de l'orientation. Et on va profiter de ce moment pour fêter, célébrer les 1 an de l'agence et vous dire un petit peu la gamme de services qui est aujourd'hui mise en place. Mais on a souhaité démarrer par deux vidéos différentes avec des parcours, un parcours initial, un parcours plutôt de formation continue tout au long de la vie. Parce qu'on sait qu'avec tous les collaborateurs de l'agence aujourd'hui, il n'y a pas un parcours linéaire, mais il y a plusieurs parcours et le but de l'agence aujourd'hui, c'est de proposer des outils, une offre de service qui va permettre à chacun de cheminer tout au long de la vie. La période Covid a été compliquée, on a trouvé cette solution pour communiquer avec tous les professionnels de l'orientation. On sait qu'à cette heure, vous êtes plus d'une centaine connectés, les membres du réseau Pro. On va être avec mes invités aujourd'hui sur plusieurs sujets. On va être ensemble environ 45 minutes. Mais peut-être vous dire d'abord, vous présenter les invités qui sont avec moi autour de la table. Je vous présente Hervé Morin, président de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Madame Pupini, Sandrine Pupini, déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation pour le rectorat de Normandie. David Marguerite, vice-président de la formation et de l'orientation et développement des compétences à la région Normandie. Alors, je vais démarrer avec mes 3 invités. Nous aurons 3 thématiques ce matin, je l'ai déjà dit. Premier sujet, on va revenir avec le président Morin sur l'Agence régionale de l'orientation. On aura un moment aussi avec David Marguerite de présentation du salon en avant-première, où on vous montrera le site et comment nous avons su garder une dynamique avec tous nos partenaires. Et on échangera également avec Sandrine Pupini sur les outils au service des enseignants et comment on a construit avec la délégation académique l'offre de service. Je vais me tourner tout de suite vers Hervé Morin. Hervé Monsieur, Morin, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, on a vu François et Cassandre avec des parcours, je dirais, d'orientation, mais j'ai envie de vous poser, Hervé Morin, la question. Votre parcours d'orientation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, je dirais, si on devait le résumer et les opportunités qui se sont présentées à vous, je dirais, pour être là où vous êtes aujourd'hui? Bon, moi, je ne suis pas le meilleur exemple qui soit. Hein. Comment je pourrais le définir?
ça a été d'abord l'apprentissage du travail. Donc on est assez loin de l'orientation, parce que j'étais pas franchement un bon élève. Même pas du tout. Le premier apprentissage a été celui de bosser l'été avec un père qui m'a dit « tu fous rien à l'école, tu vas au moins savoir ce que c'est que travailler ». Bon, donc voilà, c'est pas forcément le meilleur système le plus positif, mais enfin au moins ça permet de se recadrer peut-être un peu. Et puis après, l'orientation, franchement, moi je me vois encore un jour aller dans une salle où il y avait un énorme classeur avec des fiches. Je ne savais absolument pas quoi faire. Et me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Bon. Et puis la chance, la vie m'a souri. C'est une femme qui m'a globalement remis sur le chemin. Et globalement, moi, j'avais dans la vie, j'avais deux grands-pères qui étaient maires, un père qui aimait la politique. La politique et la vie étaient, et la vie publique était quelque chose qui, dans la famille, était très présent. Et j'ai une tante qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas du droit ?» Au moins, ça t'ouvrira un peu à tous les métiers. Tu peux être avocat, policier, magistrat, les métiers du conseil, bon. Et puis, je suis parti dans cette histoire et après, j'ai plutôt performé, quoi. Donc, après, ma vie s'est orientée. Mais vous voyez, j'étais assez loin de ce qu'on essaie de bâtir là. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de chance, beaucoup même. Et puis, au bout du compte, quelqu'un qui, d'un coup, a trouvé sa voie et qui a aimé ce qu'il a fait. Moi, je m'ennuyais beaucoup au lycée, pour être honnête. J'ai jamais eu à aucun moment la capacité d'aller voir ce que représentaient ces métiers. Probablement, ça aurait été plus facile si, au lycée, j'avais pu aller dans un cabinet d'avocat ou chez, je ne sais qui, pour essayer d'appréhender ce que représentait la vie professionnelle. Je suis pas exactement le modèle dans lequel on a envie d'aller. Alors, aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire, Hervé Morin, c'est peut-être pour ça qu'on vous sait, très attaché aux questions d'orientation. Lors des assises régionales de l'orientation, il y a un an et demi, et au moment où les régions ont pris la compétence sur l'information métier, vous avez été très attaché à créer l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Vous êtes très, très, dissert sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos motivations ? Il y a des choses qui me choquent beaucoup. Je trouve que c'est un scandale l'acceptation par la société française du déterminisme social dans lequel on est. Je n'arrive pas à comprendre comment un pays autant attaché à l'égalité supporte l'idée que votre famille détermine en grande partie votre parcours scolaire, le fait qu'il y ait aussi peu de jeunes dans les grandes écoles issus de milieux modestes ou défavorisés. C'est pour moi le plus grand des scandales. Et moi, à ma façon, j'étais pas une famille défavorisée, mais j'étais dans une famille avec un milieu culturel faible, un père ayant un certificat d'études, une mère n'ayant pas été à l'école. Et j'ai su ce que ça représentait pour moi, le cheminement qui m'a permis d'aller un jour dans une grande école. Ça a été plus difficile pour moi que pour les autres. C'était plus difficile, j'avais ni les codes, ni la culture, ni les réseaux. Je peux vous dire que face à un fils ou une fille de haut fonctionnaire, fils ou fille d'enseignant, fils ou fille de bourgeois, c'est pas la même histoire. Donner une chance à des jeunes qui ont, pour pouvoir bâtir leur vie professionnelle en fonction de leur qualité et d'arriver à faire éclore leur ambition, pour moi, je trouve ça a beaucoup de sens quand on fait de la politique que d'essayer de bâtir quelque chose qui puisse permettre à chacun de trouver sa voie plus facilement et de pouvoir réussir en fonction de ses propres qualités et de sa propre ambition. Alors, vous dites souvent, on l'a entendu lors des assises, que sur le débat politique, c'est un sujet d'orientation qui n'est finalement jamais, rarement traité. Vous n'avez jamais un candidat à la présidentielle qui aborde ces sujets-là, et pourtant c'est la première des causes dans le cheminement qui peut amener à la sortie du système scolaire sans qualification, sans formation. Si vous savez, on le voit bien, on est tous parents.
le moment où votre fils, votre fille, sait ce qu'elle veut faire ou ce qu'il veut faire, l'affaire est réglée. En général, ça va tout seul. Je suis sûr que dans l'immense partie de ceux qui sortent du système scolaire sans formation ou qui se déscolarisent, je suis sûr qu'une grande partie du sujet est liée. Alors, il y a toutes les difficultés de l'environnement, bon, etc., les difficultés sociales, mais les difficultés de sa propre construction. Quand on est adolescent, c'est une période de fragilité. Je suis sûr que ce sujet-là est un des grands facteurs d'échec scolaire quand on ne sait pas ce qu'on veut faire et qu'on n'est pas accompagné. Et d'où le fait que, autant que possible, notre idée, c'est qu'avec l'éducation nationale, on soit en mesure de permettre à un jeune d'éclore plus facilement. Voilà. Alors justement, Hervé Morin, il y a un partenaire essentiel depuis un an qui est à nos côtés, j'irai au jour le jour, un ensemble des équipes du rectorat sur la dimension orientation en lien avec l'agence. Elle n'a pas pu être avec nous ce matin, mais elle a souhaité vraiment participer à nos échanges. Je vous propose d'écouter Madame la rectrice, hein, Christine Gavani-Chevet, qui a souhaité, j'irai nous dire un petit mot. Mesdames, Messieurs, mon agenda ne m'a malheureusement pas permis d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai néanmoins tenu à être présente par cette capsule et à participer virtuellement au lancement de ce deuxième salon de l'orientation Déclic des métiers. Tous les acteurs de ce salon partagent la conviction que l'orientation est une grande cause et c'est l'une des plus grandes missions de l'école que d'accompagner chaque jeune dans la construction de son parcours, quelle que soit la destination qu'il a choisie, le chemin qu'il veut emprunter ou le rythme qui est le sien. Nous devons être avec lui, à ses côtés, pour lui permettre de réaliser ses ambitions, s'insérer socialement, professionnellement et surtout s'épanouir. Et même très simplement pour lui permettre d'oser, oser des études, oser des métiers, oser aller ailleurs, oser aller là où on ne l'attend pas, là où peut-être lui-même n'a jamais imaginé pouvoir aller. C'est la promesse de l'école républicaine, une promesse d'égalité des chances, une promesse d'égalité entre filles et garçons également. Et c'est encore plus nécessaire dans les temps que nous traversons et qui sont marqués par l'incertitude et par la difficulté pour nos jeunes de se projeter vers l'avenir. Je me réjouis donc tout particulièrement que ce salon puisse se tenir à nouveau cette année dans un format numérique qui permettra à chacun d'y participer en toute sécurité et peut-être aussi de construire sa visite de manière plus réfléchie et plus complète. Je voudrais bien évidemment remercier très chaleureusement le président de la région Normandie, avec qui nous partageons la volonté de porter au plus haut les ambitions des jeunes Normands. Une volonté qui s'incarne depuis un an à travers l'Agence régionale des métiers et de l'orientation. Réunir nos forces et conjuguer nos moyens et nos actions ont permis de mieux structurer et de renforcer encore l'accompagnement offert à nos jeunes. Et ce salon est, je crois, une nouvelle démonstration de la pertinence de cette construction originale, fondée sur un partenariat étroit entre la région et l'Académie de Normandie. À cette occasion, je tiens également à saluer le remarquable travail réalisé par les équipes de l'agence. Et je veux saluer également et remercier l'ensemble des acteurs présents sur ce salon, et au premier chef les partenaires du monde économique et professionnel qui ont répondu en nombre à l'invitation lancée et pour lesquels le regard est absolument fondamental pour aider les jeunes à se repérer. Pour les milliers d'élèves qui y participeront, ce salon constituera sans aucun doute un temps fort du parcours à venir que chacun d'eux est amené à construire à partir du collège, un parcours fait de questionnements, de découvertes et de choix. Un parcours qui s'enrichit de toutes les expériences et des rencontres que font les élèves au cours de leur scolarité, notamment grâce aux cordées de la réussite, dont nous avons cette année doublé le nombre de bénéficiaires avec 6000 élèves issus de 120 établissements en cordée. Un parcours que ce salon va nourrir, remettre en cause, peut-être, éclairer certainement. Si ce parcours à venir est le fait des élèves, c'est aussi le fait de tous ceux qui les entourent et les accompagnent au quotidien au sein des collèges et des lycées. Je pense particulièrement aux enseignants et aux professeurs principaux, aux chefs d'établissement et à tous les autres personnels. Ce sont eux qui ont préparé les élèves à ce salon, qui les accompagnent et qui en feront avec chacun le bilan. Je veux très sincèrement les en remercier. Je tiens également à remercier les personnels de la délégation régionale académique à l'information et à l'orientation, au premier rang desquels les psychologues de l'éducation nationale. Ces professionnels accomplissent au quotidien un travail essentiel et dont je veux souligner le professionnalisme exemplaire et l'engagement constant
particulièrement dans cette période de crise. Pour finir, j'adresse quelques mots aux élèves, aux étudiants, aux apprentis et à tous ceux qui parcourront ce salon. Parce que l'ambition naît de l'envie, envie de métier, envie de formation, envie de mobilité, envie de découverte. J'ai envie de vous dire que dans ce salon, toutes les portes sont ouvertes. Poussez-les, soyez curieux, osez. Il n'y a aucun espace fermé, aucune question interdite, aucune ambition impossible. Ce salon est fait pour vous. Sentez-vous à l'aise dans ce salon, vous y êtes chez vous. Très bon salon 2021 à toutes et à tous. Alors Sandrine Pupini, en tant que déléguée académique régionale, est-ce que vous pouvez, nous donner des éléments, de satisfaction ou des éléments, liés à l'outillage que vous construisez avec l'agence au quotidien, avec vos équipes, et peut-être une attention particulière quant aux formations qui ont été dispensées à tous les professeurs principaux depuis quelques mois. Voilà, Sandrine Pupini, votre commentaire. Depuis que l'agence existe, il est vrai que dans l'Académie de Normandie, il y a un nouveau service qui est rendu. C'est celui de proposer une offre, une gamme de services, comme vous l'appelez à l'agence, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que quand on est chef d'établissement, professeur principal, psychologue de l'éducation nationale en CIO, on sait qu'il existe des partenaires prêts à s'investir, à rencontrer les élèves, les apprentis, les étudiants. Eh bien, l'agence le fait. C'est-à-dire que c'est une référence, la référence en région, pour que tous ces professionnels qui accompagnent l'élève dans ses choix d'orientation, mais les familles aussi, et un phare, un repère. Et notamment, je pense à une belle action qui a eu lieu très rapidement, dès la construction de l'agence. Ce sont des formations à destination des enseignants, professeurs principaux et des psychologues de l'éducation nationale, parce qu'il nous a semblé rapidement ensemble qu'il était très important que chaque acteur connaisse son territoire, connaisse la Normandie, les emplois d'aujourd'hui, de demain, les situations économiques. Parce que quand on accompagne un élève, bien sûr, à l'éducation nationale, nous avons des programme, un parcours à venir où on apprend aux jeunes à se connaître dans ses valeurs, dans son projet, dans ses compétences, dans ses motivations. Et à un moment donné, il doit bien les confronter à une réalité. Eh bien, le pari qu'on a pris ensemble, c'est déjà de confronter ses envies, ses projets, avec les possibilités d'emploi futures et actuelles. Donc, on a formé plus de 700 enseignants, PsyEN et professeurs principaux, et qui, d'ailleurs, ont été très satisfaits. Et aujourd'hui, on est, et on le verra, effectivement, sur, moi je dis, l'agence assemblière, de quantité d'entrepreneurs, d'acteurs, d'entreprises qui s'engagent auprès de la région, auprès d'Hervé Morin, pour effectivement devenir ambassadeur et proposer aux élèves et alors aux enseignants également de mieux encore connaître les métiers de notre territoire. Peut-être, Sandrine Pupini, nous dire deux mots au travail qui est réalisé entre les équipes, mais aussi avec les missions locales, aussi avec les CIO, concernant le décrochage scolaire et l'obligation de formation. Je crois qu'il y a une campagne là qui démarre. Donc, au vu des personnes qui sont avec nous ce matin, j'irai derrière leur écran. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce travail aussi important ? Eh bien, on lutte ensemble contre le décrochage scolaire. Et il est vrai qu'en Normandie, on a conforté ensemble ce qu'on appelle les plateformes de suivi d'appui des décrocheurs, donc que nous avons confiées en tant que coordination aux directeurs de mission locale et aux directeurs de CIO. Parce que ce sont deux forces vives qui sont en mesure, un, de repérer les jeunes qui décrochent. Ils sont déjà connus des jeunes, donc des structures phares. L'agence nous aide aussi, puisque nous avons fait le choix de mettre un numéro vert au sein de l'agence pour que toutes les familles ou les jeunes qui se retrouvent en situation de rupture, de parcours ou de réorientation sans solution puissent appeler ce numéro et être redirigés vers ces acteurs de plateforme qui réunissent très régulièrement toutes les possibilités et de formation et de retour à l'école ou en centre de formation ou par apprentissage. Donc on a là des équipes sur le territoire également qui sont soudées, que l'on accompagne à être soudées pour très rapidement pouvoir mettre en place cette lutte contre le décrochage scolaire et en particulier de mettre en œuvre la nouvelle mesure gouvernementale qui est celle de l'obligation de formation pour tous les jeunes de 16-18 ans, c'est-à-dire si vous avez 16 et 18 ans et que vous n'êtes pas en solution d'emploi ou de formation, eh bien, appelez le numéro vert puisque les plateformes, les acteurs des plateformes vous y aideront et à trouver très rapidement une formation, un accompagnement.
Merci. Un message aux professionnels qui nous écoutent ce matin, directeur de CFA, directeur de centre de formation ou directeur d'établissement de formation. La grande précaution que nous posons, c'est déclarez-nous très vite les situations de décrochage de façon à ce que les équipes qui sont mobilisées aujourd'hui, reconfigurées en Normandie aujourd'hui, puissent anticiper et travailler au plus vite à la reprise en main de ces jeunes pour les accompagner le plus rapidement possible. On arrive au terme de ce premier point, je dirais, de la séquence de ce matin. Deuxième sujet, l'introduction du salon. Mais peut-être avant, je vais laisser la parole à David Marguerite, qui, on le sait, a beaucoup, beaucoup investi du côté de la présentation des métiers. On a deux souvenirs phares, je dirais, en Normandie. Hein. Il y a deux ans maintenant, nous organisions les finales nationales des Olympiades des métiers. Plus de 50 000 personnes sur deux jours. L'an dernier, l'agence avec à Rouen, au Zénith de Rouen, on a essayé et plus qu'essayé parce que ça a été un grand succès. Mais ça, David Marguerite va revenir là-dessus parce qu'on vous sait très engagé pour faire briller les métiers en Normandie. Peut-être que vous avez envie de nous parler de ces deux moments-là avant de présenter le salon des jours prochains. Oui, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée l'année dernière d'avoir couplé le salon avec les finales régionales des Olympiades des métiers. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui participent aux finales régionales et finales nationales plus tard sont des jeunes qui sont des ambassadeurs. Il y a une magnifique compétition, mais bien au-delà, les Olympiades sont une vitrine des métiers. Et moi j'ai plusieurs souvenirs en tête qui me reviennent. La région Normandie a beaucoup investi dans ces finales. Et elle l'a fait avec la conviction que ça pouvait changer le parcours d'un certain nombre de jeunes dans notre région et pouvait aussi changer le point de vue d'un certain nombre de parents. Sur les jeunes, moi, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de François Eustace, qui est un jeune du Cotentin. Ah, comme par hasard. Et qui avait, comme le disait Hervé Morin tout à l'heure, il n'avait pas une trajectoire qui était toute tracée pour lui parce que ses parents n'avaient rien à voir avec le monde de la cuisine. Son père travaille à la direction du cycle de l'eau de l'agglomération du Cotentin. Et François a été passionné très vite par la cuisine, sans qu'il y ait vraiment de raison particulière pour ça. Il y a eu sa famille s'y est complètement consacrée, avec un garage mobilisé en atelier de cuisine. Et François, finalement, il a incarné parfaitement le sens du travail, du sacrifice. Il a fait énormément d'efforts. Et le plus beau souvenir, moi, qui m'a été donné de vivre, c'est de le voir gagner la finale nationale à Caen. C'est de le voir avec les étoiles dans les yeux. C'est de le voir derrière, incarner quelque chose au-delà de lui-même. Et ça, ça restera pour moi comme un moment, un des moments les plus forts de mon engagement. J'ai un autre souvenir qui est plutôt côté parents et aussi lié aux Olympiades. C'est que, ça remonte un petit peu, mais c'était aux finales européennes. La délégation normande avait vu une maman qui nous avait dit « Je vous ai confié un enfant, vous m'avez rendu un homme ». Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit quelque part, les Olympiades sont un vrai accélérateur de savoir-être, de maturité. Et ça a été vraiment un excellent moment, je trouve, qui montre que c'est un peu tout ça l'orientation. Il y a la compétition, il y a les jeunes qui se révèlent et il y a les parents qui changent de point de vue. Et je trouve que c'est une très belle synthèse. Et puis, peut-être dernier souvenir, l'année dernière, le salon régional de Rouen a été un vrai succès, puis un tour de force, puisque l'agence existait depuis deux mois. Il y a eu énormément d'entreprises qui y ont participé. Et moi, ce qui m'a marqué, on avait fait les assises de l'orientation juste avant, c'est qu'on pensait, il faut bien se le dire, qu'on serait sur un sujet peut-être un peu idéologique, où il y aurait de la confrontation, du clivage. Ben, ça n'a pas été le cas, ou quasiment pas le cas. Il y a eu une vraie synergie tout de suite qui s'est créée entre éducation nationale, région, tous les acteurs de l'orientation. Et ça, je crois que c'est un beau succès aussi, en très peu de temps. Et plutôt une surprise d'ailleurs aussi, il faut le dire. Alors, merci David Marguerite. Alors, c'est vrai, je rebondis sur vos propos. Vous le savez sûrement, nous souhaitions organiser à Caen, au Parc Expo, la deuxième édition, là, ces jours-ci. Et j'ai souvenir, au mois de septembre dernier, nous avions 100 professionnels qui étaient autour de nous, qui avaient participé au premier salon, hein, les filières, les branches, les OPCO. Et vous nous avez dit, alors on échangeait sur la situation sanitaire, sur le fait que peut-être il n'y aurait pas le salon, et vous avez été très nombreux à nous dire, ben, ne laissez pas retomber la dynamique, vous avez mis un soufflet là, en route, il faut le maintenir. Et ben, c'est comme ça que depuis deux mois et demi, hein, nous sommes à l'œuvre pour créer le salon virtuel, celui dont on va parler tout de suite, David Marguerite. Peut-être avant de vous laisser la parole, on va regarder une petite vidéo de présentation de ce salon. On peut peut-être regarder cette vidéo s'il vous plaît.
Alors David Marguerite, en avant-première, vous allez nous faire visiter ce salon dont on parle depuis plusieurs semaines, ce salon virtuel. D'ailleurs, je précise tout de suite que, vous le verrez, ce sont des prestataires normands qui ont réalisé toute l'interface de ce salon. Je souhaitais d'abord les remercier parce que dans des contraintes, vous imaginez, de calendrier importantes, ils ont su être au rendez-vous, donc merci à eux. Mais David Marguerite, je vous laisse la parole maintenant pour que vous nous présentiez, je dirais, cette interface. Alors, on a en effet voulu maintenir ce salon et de poursuivre la belle dynamique dont je parlais tout à l'heure sur de ce qu'on a pu vivre l'année dernière. On a un salon qui, vous le voyez, va mobiliser de très nombreux acteurs. Il y en a plus de 200 qui seront mobilisés autour du service public régional de l'orientation, du réseau pro de Normandie qui ont répondu présent tout de suite pour participer à ce salon. Vous le voyez, il y aura de nombreux pôles métiers, des ateliers qui vont avoir lieu tout au long du salon. Il y a d'ailleurs déjà plus de 2000 personnes qui se sont inscrites à ces ateliers. Également un point sur les territoires, puisqu'on sait que l'orientation fonctionnera si elle est territorialisée le plus possible, d'où les ateliers autour des territoires et de regarder les initiatives qui existent partout dans la région. Nous avons également une maison de l'orientation qui permettra à tous les publics, parce que j'insiste là-dessus, l'orientation telle qu'elle a été transférée aux régions, l'information métier telle qu'elle a été transférée aux régions concerne bien tous les publics, qu'il s'agisse des collégiens, des lycéens, des étudiants, des apprentis et des deux demandeurs d'emploi. Et cette maison de l'orientation va accueillir tous ces publics pour pouvoir trouver des réponses à leur parcours. Donc aux côtés de ces ateliers, aux côtés des conférences qui auront lieu, et puis des 14 pôles métiers, ce qui montre l'ampleur de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Je le citais tout à l'heure, les CIO, Pôle emploi, les missions locales, les universités, avec vraiment, je le crois, trois mots d'ordre. Je le disais, la territorialisation des ateliers sur les territoires, la dédramatisation. Je crois que c'est très important quand on parle d'orientation, de dédramatiser l'orientation. On ne s'oriente pas pour toute sa vie, d'où la dimension très immersive et très ludique qui va y avoir, qu'on pourra tester tout au long de ce salon. Et puis enfin, l'immersion, puisqu'il y aura des outils de réalité virtuelle, la possibilité de discuter directement. Donc immersion, territorialisation et dédramatisation sont un peu les mots d'ordre de ce salon virtuel. Merci David Marguerite. Effectivement, donc je rappelle, le salon ouvrira demain de 14h à 20h. Effectivement, je ne peux qu'encourager les professionnels d'orientation qui sont avec nous ce matin à inscrire très très vite les publics, parce qu'on arrive, beaucoup d'ateliers sont déjà pleins à l'heure qu'il est. Donc voilà, mobilisez-vous rapidement avec vos publics. Je vous propose maintenant de passer à la troisième thématique de cette conférence. Hervé Morin, je reviens vers vous. Au-delà de l'orientation, vous aviez un souhait que vous aviez toujours indiqué, ainsi que David Marguerite, tout au long de la structuration de la stratégie régionale d'orientation. C'était le lien aux entreprises, c'était le lien au secteur professionnel. Donc, il est évident que si l'éducation nationale n'est pas avec nous, rien n'est possible. Mais il est évident que si les métiers ne jouent pas le jeu, c'est aussi compliqué. Voilà. C'est très important que, face aux difficultés de recrutement qu'ont les entreprises, au-delà de leur conscience de français, de citoyens, on ne peut pas à la fois se plaindre d'avoir du mal à trouver des compétences et des qualifications et de pas d'ouvrir sa maison pour que des jeunes puissent se dire « tiens, je vais faire ce métier-là ». La métallurgie étant probablement le meilleur exemple. C'est un métier qui a tellement changé, c'est du 4.0, c'est du digital, et donc il faut que les jeunes puissent découvrir que ces métiers-là, d'une part, ne sont plus les métiers du temps de Charlie Chaplin, et deuxièmement, s'adresser aussi aux jeunes femmes, parce que ce sont des métiers pour les femmes aussi, aujourd'hui. Il faut que les métiers jouent le jeu à fond. Et j'allais dire chacune et chacun d'entre nous. On a créé un réseau d'ambassadeurs, de chefs d'entreprise, mais j'allais dire, tous ceux qui sont dans le studio, là, où on fait cette émission, ils devraient être eux-mêmes parrains, apporter un peu de conseils, apporter un peu de réseau, apporter un peu de carnet d'adresses. Qui mieux qu'un jeune salarié d'une entreprise
allant dans un collège ou dans un lycée pour raconter sa vie, dire quelle carrière il peut avoir, à quel point il a une passion, à quel point c'est un plaisir, combien il gagne, combien il peut gagner. Voilà, tout ça, ça c'est important qu'il y ait d'une part cette découverte à travers tous les instruments qu'on met en place, mais qu'il y ait du vécu. Et ce vécu-là, il n'est possible que si les entreprises jouent le jeu. Merci Hervé Morin. Alors, pour cela, on le sait, vous l'avez dit, les entreprises font souvent déjà beaucoup de choses. L'idée, c'est de lancer, je dirais, du côté de la région, de l'agence, en lien avec les autorités académiques, un service agrégé, un service numérique qui nous permettra de mettre en relation les entreprises, les jeunes, les enseignants, au travers, je dirais, d'une notion sur laquelle on va revenir, les ambassadeurs métiers, et de proposer aussi à des jeunes qui n'ont pas de réseau, à des familles qui n'ont pas de réseau, de pouvoir bénéficier d'adresses, d'entreprises qui se déclarent tout à fait prêtes à accueillir quelques jours des jeunes pendant la période scolaire, mais vous verrez aussi une innovation en lien avec les réseaux consulaires pendant les vacances scolaires. Mais peut-être tout de suite vous montrer une vidéo qui présente ce nouveau service que nous lancerons au public demain matin à l'occasion du lancement du salon, mais on y reviendra tout de suite après. Je vous propose de regarder la vidéo. Vous venez de le voir, destinationmétier.fr, c'est ce service numérique, trois objets. D'abord, présenter les métiers et en lien avec le Carrefour Rêve de Normandie, vous avez une présentation très précise des métiers en Normandie, des volumes d'emploi, du nombre de CDD, du nombre d'apprentis, de la cartographie des métiers, et on invite vraiment tous les enseignants et tous les jeunes à consulter ce site qui permettra de se donner une vraie vision de tous les métiers en Normandie. Deuxième volet, les ambassadeurs métiers. Une entreprise consacre du temps, elle se déclare, je dirais, tout à fait à même de présenter son métier à des jeunes, à des moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle sur des modalités qu'ils conviendront ensemble quant à des visites, quant à des rendez-vous, quant à des visios, pour donner envie aux jeunes de confirmer ce projet. Troisième sujet, je le disais un petit peu tout à l'heure, à savoir proposer des périodes d'immersion de quelques jours pour confirmer un projet lorsque les équipes pédagogiques, lorsque un CIO, lorsqu'un professeur principal invitera le jeune à approfondir un projet professionnel. Donc destination métier, c'est une gamme de services. Depuis 2 mois et demi, les entreprises sont mobilisées pour le compléter. Et je vous le disais, demain matin, ouverture au public avec un système de géolocalisation qui permettra à chacun, de regarder les professionnels au fur et à mesure du temps qui s'inscriront et qui répondront sur son territoire à cette demande. Mais j'ai envie de vous poser une question, Sandrine Pupini. Lorsqu'on a travaillé avec les équipes de l'agence le déploiement de ce projet, vous avez eu une demande particulière. Quelle est-elle ? Alors, la demande, elle a été toute naturelle. C'est que tous les enseignants de la Normandie puissent avoir un onglet particulier pour se repérer dans cette plateforme que je vais appeler. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pour certains élèves cette complexité à trouver, par exemple, un lieu de stage en classe de 3e, mais aussi ensuite pour faire ses stages en période de formation, quand il est inscrit dans une filière professionnelle. Et là, qui mieux que l'enseignant, le professeur
professeurs principaux, dans ces cas-là, accompagnent l'élève parce qu'effectivement, dans sa famille ou dans ses amis, il ne bénéficie pas du réseau nécessaire pour pouvoir accès au métier qu'il souhaite, ou tout simplement parce qu'effectivement, dans son réseau familial, on ne connaît pas, on n'exerce pas ses métiers. Donc, il était essentiel que sur cette base, il y ait un onglet enseignant pour qu'il puisse lui-même au mieux accompagner et permettre à tout élève d'être en immersion, soit dans son parcours scolaire ou en dehors, comme on le verra tout à l'heure. David Marguerite, vous qui êtes ancré sur le territoire du Cotentin, une plateforme comme celle-là, quel retour aujourd'hui de la part des entreprises? Comment vous mobilisez les acteurs économiques autour de cette démarche? D'abord, je voudrais dire, en effet, on ne peut pas y arriver sans les entreprises et que le stage de troisième, souvent, est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. En tout cas, moi, je l'ai vérifié en discutant avec de nombreux jeunes qui disent que souvent, ils ont choisi un chemin professionnel après leur stage ou alors ils ont fermé une porte. Et le rôle de la région, le rôle de l'agence, c'est de faire en sorte que ce stage ne soit pas le stage par défaut parce que je n'ai rien trouvé d'autre, ou par réseau, parce que j'ai des parents qui me permettent de faire quelque chose, mais ce n'est finalement pas un choix coup de cœur à l'arrivée. Moi, je crois profondément que les entreprises doivent jouer le jeu, et ce que nous allons faire en signant une charte avec l'agence, c'est nous engager. Et on va faire en sorte que les entreprises s'engagent aussi, en faisant en sorte que nos règles de marché public soient modifiées. Elles le seront dès cette année, pour valoriser les entreprises qui sont accueillantes aux stagiaires découvertes, aux apprentis, à l'alternance sous toutes ses formes, bref, qui jouent le jeu et qui montrent qu'elles, pour changer l'image de leur métier, elles prennent leur part. Et donc, cette valorisation va inciter fortement les entreprises à s'engager dans cette démarche. Autre point sur lequel nous, on a très envie de s'engager aussi, c'est qu'on a un territoire avec 129 communes, avec 11 pôles de proximité. C'est un des territoires les plus étendus, d'ailleurs, de France en termes de nombre de communes, et qu'à 20 minutes de chez soi, on doit pouvoir avoir un conseil de proximité. Et avec l'agence, on souhaite que dans nos 11 pôles de proximité, il puisse y avoir un réseau d'accueil. Ce seront des maisons du Cotentin qui feront de l'accueil de proximité et du conseil de premier niveau, en lien, bien évidemment, avec l'agence. Et puis, dernier point, les entreprises, je le disais, doivent se mobiliser. Elles le font déjà dans la métallurgie. On a un bel exemple, je trouve, dans le Cotentin avec l'action soudage qui a permis de rassembler toutes les petites, moyennes entreprises et grandes entreprises pour éviter le débauchage et pour modifier l'image de leur métier en matière de métier, de la métallurgie. Ces entreprises, aujourd'hui, ont poussé l'initiative jusqu'à créer un pôle national d'excellence soudage. Et ce pôle national d'excellence soudage que nous accompagnons tant à la région qu'à l'agglomération du Cotentin sera également un démonstrateur des métiers de la métallurgie sur le très bon modèle de ce qui existe au Havre, au CFAI, et c'est, je crois, dans ce sens-là qu'il faut avancer. Des entreprises qui sont mobilisées, fortement incitées à accomplir la démarche, et des collectivités qui sont à l'avant-garde, aux avant-postes, pour pouvoir mobiliser sur le terrain les réseaux et les ressources qui sont les leurs pour faire du conseil de proximité sur les territoires, et en particulier dans les territoires ruraux. Merci David Marguerite. Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des territoires, et l'agence compte beaucoup sur les EPCI pour coordonner des actions en lien avec les parties prenantes sur le champ de l'orientation et de l'infométier. Nous arrivons au terme de cette séquence. J'ai envie de vous donner la parole, Hervé Morin, nous donner, le mot de la fin par rapport peut-être au salon, par rapport à la suite de l'agence, aux premiers résultats de l'agence tels que vous les percevez aujourd'hui. Et il nous reviendra ensuite de souffler la première bougie, virtuelle, puisque tout est virtuel ce matin, comme le salon. Et voilà, mais Hervé Morin, on vous écoute. Non, c'est une magnifique ambition, et c'est très difficile. Et c'est très, très difficile d'arriver à bâtir un modèle qui s'adresse à autant de jeunes, qui ne soit pas simplement, en quelque sorte, l'alibi ou se donner bonne conscience. Et donc cette agence, c'est, je l'espère, le moyen d'arriver à permettre à chacun d'ouvrir des portes ou d'enfermer sur son propre parcours et sa propre construction. Donc c'est hyper dur et donc on a besoin de tout le monde. Voilà. Donc un mot, participez nombreux, faites connaître le salon demain. Merci beaucoup aux 200 partenaires mobilisés qui seront derrière les chats sur les 14 pôles métiers. Je veux dire, sans eux, le salon ne resterait qu'un salon, j'irais, de mots. Hein. Et c'est vraiment leur conseil. Ils pourront les donner en direct, les donner de manière asynchrone si on a une affluence. Et a priori, je peux vous dire que ce matin, nous avons déjà 5000 préinscriptions sur ce salon. Donc, on peut déjà dire que ce sera un succès en termes de fréquentation. Donc, merci beaucoup. Il me revient, de vous remercier, de remercier tous ceux qui ont contribué et puis peut-être de souffler ensemble cette bougie virtuelle. Et bonne journée à tous et à demain sur le salon.
Bonne journée.